industrialisée. Chez les traiteurs, c'est pareil. Donc, c'est toute l'alimentation globale. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment le sujet de l'alimentation, surtout pour les enfants, dans les cantines, etc. Donc là, on a un vrai problème. Mais le verre, il est aussi dans la législation. Les premiers tricheurs, c'est eux. Et après, ces histoires de chartes, etc., on peut s'asseoir dessus. Ça va devenir un argument marketing et rien d'autre. Moi, c'est la seule chose à laquelle on pourrait éventuellement faire confiance, c'est le bouche à oreille et encore. Non, une législation, madame, je tiens à vous dire, une législation, c'est clair. C'est-à-dire une législation... Transgresser tous les jours. Non, on peut dire, on peut ne pas avoir confiance dans, on peut ne pas avoir confiance dans l'État, et c'est dommage, c'est bien tout le sujet de 2012 ou du futur. C'est comment nous, citoyens, retrouvons la confiance dans les politiques, dans ce qui est fait, et que nous reprenons à nous, nos citoyens, nous reprenons le domaine public. Parce que finalement, apparemment, vous allez dire que ça nous échappe. Et RE89 est là pour effectivement montrer aux citoyens qu'il y a d'autres voies possibles.